Énergie Radio Stream Experience avec Omen. Pendant une heure, les stars du streaming et de la musique s'affrontent avec Brak sur les meilleurs jeux. Gaming, unboxing, cadeaux et surprises. C'est Énergie Experience en direct sur Twitch. Et les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Energy Experience. Un plaisir, comme toujours, de faire ça avec vous. Un plaisir de faire cette émission, parce que c'est vrai que c'est une émission assez particulière. Voilà, c'est la rencontre à chaque fois entre un streamer et un artiste. Et ce soir, je suis très content parce qu'on reçoit dans cette émission Kinvé. Il est là avec Merci nous. Merci beaucoup. Comment ça va, Kinvé? Bah, ça va très bien. En place et tout. Ouais, toujours pile poil la classe. Pile poil à l'heure. Mais vraiment pile poil. Ouais, là, on pensait qu'on la ferait pas en fait, l'émission, pour rien vous cacher. Mais il est bien présent. Ça va, t'as passé une bonne journée? J'ai commencé à enregistrer l'émission de télé à 11h et je viens juste d'arrêter. Ah, d'accord, ok. Donc ça rush. La journée qui roule en permanence, quoi. Ça s'arrête jamais. C'est ça. Mais ça fait plaisir en tout cas. On est avec Akitio aussi qui est là. Oui, Akitio, bon, comment tu vas? Bah, ça va et vous, ouais, ça va. Alors Akitio. Il est intimidé, oui, regarde-le. En fait, mais non, j'ai un problème. C'est, je sais pas ce que je fais là, moi. J'ai aucune idée de ce que je fais là. Mais je le dis en permanence, je joue, c'est tout, je suis arrivé, j'ai joué. Voilà. Ouais. C'est ça, on est là pour ça tous les deux. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'est posé. Non, mais je vous le dis, Akitio, voilà, moi j'aime beaucoup Akitio parce que c'est un streamer qui est là depuis un petit moment maintenant, qui monte, qui grimpe, qui fait grimpe ses armes, bien. Mais qui grimpe très très bien, j'ai en plus. C'est une technique, hein. Moi, si tu veux. Oui, je sais, t'as bien révisé, ça se voit, tu le connais plutôt bien. Et il grimpe plutôt pas mal et franchement moi ça me fait super plaisir, voilà, de te permettre de partager ce moment avec Kinvé. Mais ça va bien se passer, hein, je te rassure. Non mais t'inquiète, mais je m'en doute pas, mais c'est juste que bah ouais, je suis un peu impressionné, quoi. Rocket League, quoi, genre. C'est tout. Tant qu'il y a le support, voilà, c'est ça, il y a pas de souci. Non mais c'est cool. En tout cas, on vous le rappelle, on fait cette émission avec Omen, bien sûr, qui va nous permettre de vous faire gagner plein de cadeaux, bien sûr. Omen, c'est cette marque qui équipe les gamers, voilà, c'est des casques, c'est plein de choses, c'est des PC justement. D'ailleurs, vous allez jouer sur des PC Omen. Normalement, tout devrait bien tourner. Play to progress, c'est vraiment le mot avec Omen. Voilà, on est là pour s'amuser, pour progresser et pour devenir bien sûr meilleur. À la fin de ce stream, on vous fera gagner 3 casques Omen, les amis. Alors, on va commencer. Et je sens que Kinvé a bien bossé son sujet par rapport à Akitio. Je sens qu'il va nous faire une belle présentation parce qu'en fait, c'est la tradition dans cette émission. En général, l'invité présente le streamer et le streamer présente l'invité. Donc Kinvé, je te laisse nous présenter Akitio. Alors Akitio, ce jeune streamer qui a quand même 300 000 abonnés sur sa chaîne Twitch. 300 000 abonnés, c'est beaucoup. Moi, j'ai un copain qui a commencé, il est qu'à 1500, je crois. Ouais. Et ça fait depuis janvier, donc t'as dû faire ça en pas mal de temps. T'as 7000 heures de stream, ça veut dire que le soleil, tu ne sais même plus à quoi il ressemble. Les seuls UV que tu prends, c'est les UV de ton écran. Tu fais partie de la clique Gotaga, qui est quand même pas n'importe quel streamer, on va pas se mentir, mais c'est plutôt très cool. T'as participé à Zlan The Zerator, et je t'avouerai que quand j'ai vu ça, je C'est absolument pas ce que c'est. Est-ce que tu peux m'expliquer aux auditeurs en même temps? Tu vois pas qui c'est Zerator non plus alors? Non. C'est quelqu'un? Ouais, c'est quelqu'un. Pardon, d'accord. C'est un gros streamer qui fait énormément d'events. Un français? Oui. Tout à fait. Ah, je connais bien vraiment. Alors, Kinvé, est-ce que tu as déjà entendu parler du The Event? Tu sais, c'est cet événement de gamer, c'est Zerator qui organise ce The Event. C'est ça. Ah oui, The Event. Voilà. Et oui, le Z est toujours quelque part. Ouais, le Z est important. Zerator, je l'ai pas, je suis désolé, pardon. Bah, la Zlan, c'est juste une LAN sur plein de jeux différents, des jeux qui sortent un peu du commun. Et c'est une LAN tout simplement, quoi. Moi, je connais bien Sky Rose, pour le coup, je joue avec lui. Et Mabzuel, tu connais Mabzuel? Je connais que deux noms, mais je ne suis pas. Mais je connais deux noms, ouais. Il est vraiment tichant. Et ses jeux préférés, c'est Rocket League, Call of, là, ça, on a. Et Trackmania que je ne connais pas non plus du tout. Eh ben je sais pas ce que c'est Trackmania là-dessus, je vais pas te cacher. Non, a priori lui non plus. J'adore Trackmania, c'est trop bien. Mais c'est pas mon top 3 quoi. Mais ouais, pas mal. J'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que j'ai fait une belle présentation de toi? Est-ce que c'est représentatif de toi? Ouais. En fait, t'aurais dit juste c'est un streamer, c'était cool. C'est... Non, t'inquiète. Tu veux pas te réduire qu'à ça? Bah si. Et ton explosion, elle a été quand? Moi, vu que je connais Gotha et tout, tu vois, j'ai été une personne qui a été boost, genre boost de fou. C'est avec Fortnite, ça booste tout le monde et j'en fais partie aussi vu que... Alors, Kinvé, il est très modeste parce que moi, je l'ai vu commenter dans des événements, je l'ai vu sur plein de trucs avec Gotaga justement. Bah si, je te le dis, je t'ai vu. Et il a une facilité en fait, il est ultra facile. Alors après, bon là, il est un peu impressionné, c'est vrai, mais quand il parle et tout, il a une telle bonhomie, t'as envie d'être son pote, quoi. En fait, je pense que dans le milieu...
tout le monde a envie d'être ton pote. Voilà, c'est un truc de fou et c'est pour ça que. C'est vrai que tu fais gentil. Tu fais timide mais gentil. Mais en même temps, moi, je suis allé m'abonner à ta chaîne Twitch pour voir les. Parce qu'on regarde comme ça qu'on peut voir les trucs. Puis c'était bien de savoir avec qui j'allais perdre. Et ça m'a fait plaisir. Non, je te trouve très naturel. T'es authentique. C'est bien. Y a pas de fake. C'est vraiment bien. C'est cool. Moi, j'ai kiffé. Ouais, je suis nul pour ça. Donc, j'ai pas le choix de rester moi-même. Quoi. C'est pas un choix. C'était une nécessité. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, on va passer à la présentation de Kinvé par Akitio. On a hâte, vu qu'il adore ça. Et oui. Là, c'est la crise. Kinvé, c'est qui? C'est un chanteur. Hein. Je pense que vous le savez, j'espère. Moi, je ne savais pas vraiment. Donc, il est né le 31 janvier 83 à Rouen. Il a fait 9 albums, dont 30 singles. Ah oui, c'est vrai, 30 singles. Ah, bah attends, mais il check ma Il connaît sa présentation. Pour 2 millions d'albums vendus, ce qui n'est pas rien, c'est tout de même. Son dernier album, Rêver, il est top 1 du top album. Je sais pas ce que ça représente, je suis désolé. Bah, top 1, c'est bien. Ouais, je me dis que c'est pas mal. En général, c'est que t'es content. En soi, je me dis que c'est pas mal. Ou Fortnite, mais voilà. Le top album, voilà quoi. Rien qu'une fois est single de platine et t'as été single d'or. Je pense que c'est. Donc, ça fait partie de ton album. C'est des trophées. Ouais, mais ça fait partie de. Non, rien qu'une fois, c'était le 6e album, Tahiti, c'est le nouvel album. Ok, je suis désolé. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Voilà. Et t'es une star des réseaux, hein. Parce que 2,4 millions sur TikTok. Ah oui, t'as beaucoup. C'est beaucoup quand même. Ah oui, t'as beaucoup. Moi, tu vois, j'ai vu 2-3 TikTok passer parfois. Tu sais, genre les gens ils reprenaient ça, ouais. Et ils mettent sur les comptes tout ça. Mais j'ai pas TikTok donc forcément. Ah oui. En même temps, quand on passe 7000 heures sur Twitch, est-ce qu'on a le temps de faire autre chose? Est-ce que t'as le temps de manger et d'aller aux toilettes par exemple? Je fais un repas par jour, je t'avoue. Donc c'est un peu complexe quelque part. C'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein, voilà quoi. Mais ouais, parfois j'ai pas le temps de juste. Je dors 3-4 heures après, je suis là. Ah ouais. Bon. Ah, c'est le stream avant tout quoi. Ah, mais non, c'est un métier en même temps maintenant. Ouais, c'est que ça a été longtemps, comme on dit. Moi, je me rappelle le Ardisson qui avait reçu Squeezie. Oui, tout à fait. Et l'interview, il est lunaire. Ça veut dire que le gars, il le respecte même pas. Ça s'était pas super bien passé. Mais non, c'était pas bien. C'était pas bien. C'est-à-dire que si tu t'intéresses quand t'invites quelqu'un, tu t'intéresses un minimum à la personne que tu t'invites. Et là, il le dénigrait un petit peu. Donc, moi, je suis très content. Je trouve que c'est un bon moyen de délirer avec les gens que t'aimes jouer. Et puis si t'aimes le jeu, c'est bien. Moi par exemple, je préfère regarder quelqu'un jouer qui joue bien plutôt que me regarder moi-même par exemple. Mais toi franchement non, je préfère regarder les autres, je t'assure. Tu sais, une belle partie de Call of, c'est très joli à regarder, hein. Oui, c'est quand vrai. Tu me vois jouer, moi c'est beaucoup dedans, moins sympa. C'est moins sympa, c'est pas la même chose. Disons que la plupart du temps on me réanime. Ah d'accord, toi t'es celui qu'on vient chercher tout le temps par terre. Voilà. Ou alors je réanime, celui qui est encore couché, c'est ça. Qui passe sa partie à gauche, quelle gauche. Non mais après, je vais pas te mentir, Call of c'est quand même compliqué, faut regarder partout, à droite, partout. J'adore ce jeu. Sur les toits, mais c'est vrai que c'est quand même exceptionnel. C'est passionnant, moi je trouve passionnant ce jeu. Mais tu sais quoi, pour la prochaine, si tu reviens nous voir, je te promets qu'on s'arrangera pour te mettre un petit Call of. Si jamais on s'en refait une. Alors les amis, je pense que la présentation a été plutôt cool. Merci d'être là, bien sûr, sur le chat de Twitch. La chaîne, bien sûr, c'est Energy Hit Music Only. Je rappelle que Kinvé sera avec nous tout à l'heure pour l'émission Energy Radio Stream. Ça, ce sera à la radio. Donc, on enchaînera. On fera un petit moment avec lui. Là, on va enchaîner. On va passer sur Rocket League, du coup. Alors, génial. On peut jouer en 2 contre 2 sur Rocket League. FIFA. Je te le dis, il n'y a pas de souci. C'est non, FIFA, t'inquiète. Moi, je vous ai entendu dire Rocket League. Je me suis dit, on va commencer par Rocket League. J'ai Rocket League devant moi, mais je t'avouerai que je n'ai jamais joué de ma vie et j'ai hâte qu'on m'apprenne, surtout avec un professionnel. Ça va être très bien. Connais le principe, hein. Tu connais le principe? Ah, j'adore le côté la voiture qui tape dans les ballons, ça m'éclate de ouf. Oui, oui. Okay, c'est juste comment on va se servir de ça. C'est une belle chose. C'est Predator, ça? Alors, déjà, ça s'appelle une souris. Ah, je sais pas, bonne chance, hein, c'est. Ah, oui, c'est vrai que les manettes, toi aussi. Même à ça, tu joues Rocket League manette? Ah, ouais, tous les jours. La plupart des joueurs jouent manette. Génial, je suis très heureux donc de voir jouer avec la souris. Alors, je vais vous préparer. C'est Xbox? C'est PS. Ça va, tranquille. Je vais vous préparer les manettes, je vais vous préparer le tout. Alors, avec quelle équipe vous voulez jouer? Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a, l'Euro, je sais pas trop si vous regardez. Ouais. Est-ce qu'il y a des équipes qui vous font kiffer là comme ça? La France, écoute, je suis pas. Toi, la France? Ok. Et toi? Je vais prendre le Portugal. Tu vas prendre le Portugal, ok, ils vont nous faire un remake, ça fait plaisir. Enfin, un 2-2 donc. Nickel, je te laisse. Est-ce que tu peux mettre en alternatif? Ou pour changer un truc? Tu joues pas à FIFA? Ouais. Ok. Oui, je joue bien. Bon, je te mets en alternatif. Alternatif, il faut que je change un truc. Ok. D'accord, ok. On en est là, quoi. Je vais me faire soulever, là, c'est sûr. Tu dois changer des trucs, tu vas changer ta compo aussi. Non, oui, mais après. Voilà, ta vie, il a dit non, en plus, oui. Non, c'est clair. En fait, il faut juste que je fasse la course et. Ah, ok, ouais. J'aime bien, j'ai hâte de découvrir.
Alors, attendez, ça fait 20 ans que je joue parce que en fait là je joue en mode entraîneur ça. Ah d'accord. Je kiffe trop ma race. La carrière. Ouais, mais je kiffe, mais je un gamin. Ah, dès que j'ai un peu de temps, je fais ça. Voilà, j'ai plus beaucoup. C'est vrai qu'il y a des bons modes hein, sur FIFA en général. Alors attends, parce que FIFA, quand tu veux lancer une partie, ça te fait toujours ce délire où il faut choisir un compte, choisir un truc. Donc, ah oui, c'est vrai, c'est l'enfer ça. Tac, tac, et voilà, on n'a pas de compte, on peut pas avancer. Toi, tu peux avancer? Ouais, c'est bon, j'ai juste accepté quoi. Ok, parfait. Eh ben écoute, lançons le match. Du coup, France, tu m'as dit. Ouais. Voilà. Donc je vous rappelle, oui, qu'on est en plein Euro 2020. Donc ils vont nous faire en fait le remake. Il y en a qui ne savent pas. Oui, c'est ça. Au cas où vous n'auriez pas de télé, vous vivez dans une grotte, nous sommes en plein Euro. Ça fait 20 millions de téléspectateurs tous les soirs, ça. Mais... Ah, tu crois que c'est monté à ce point-là? Non, je pense... il me semble que le meilleur match, là, ça fait 15 millions, je crois. Je crois c'est que c'était beau. C'était le France-Allemagne. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est le France-Allemagne. Ou peut-être le France-Portugal. Parce que France-Portugal, ça ressemblait à la finale. C'était une finale à la base, quoi. En plus, c'était la revanche. Ouais, c'était une belle revanche. Ouais, il y a moyen. Je sais qu'en tout cas, ça fait 15 millions et c'était plutôt pas mal. Alors, du coup, France. Tac. Ok, on y est. Voilà. Tu veux jouer en blanc, en bleu? En blanc, vas-y. En blanc. C'est vrai qu'il est beau, hein, le maillot blanc. Je vais mettre en rouge. Bah non, te mets pas en blanc, chef. Non, mais je regardais le maillot, je me rends compte qu'ils ont payé les droits, quoi. Enfin, vous avez les droits, c'est pas les bons. Ah ouais, non, c'est pas les bons là. Ah non, t'as raison. Ah, c'est pas les bons. Ils ont eu les couleurs. Ça t'occupe. Ils avaient pas la licence, on avait pas assez de budget, cherche pas. Paramètres de jeu, on va se mettre un petit match de 4 minutes. Moi, fait paramètres manette 2 secondes, excuse-moi. Ah oui. Alors ça me plaît parce que tu vois, quand tu vois qu'un joueur fait ses paramètres, c'est qu'il a déjà tâté un FIFA. Non, il a gagné là. Il a gagné. Je peux rien faire. Alors sur le chat, bien sûr, il y a Claire qui nous dit Kinvé, juste ne marque pas contre ton camp. Voilà. D'accord. Je vais tâcher. Un petit message de Claire. Paramètres de jeu. Voilà, on se met un petit match de 4 minutes parce que sinon 6 minutes on va se jeter. Et après, si vous voulez faire vos compos, bah vous pouvez. Vas-y, tu peux y aller, vas-y. Je pense que t'as envie de me fumer. Non, absolument pas. Tu sais, il veut prendre de l'avance parce qu'il sait que sur Rocket League, ça va être un autre délire, tu ouais, vois. Sur Rocket League, ouais, ça va mieux se passer. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en termes de compos? Tu suis un peu, toi, justement, qui met les matchs en ce moment? T'es à fond? Oui, mais moi, comme c'est impossible, moi. C'est... T'es à donf. J'adore ça en plus, vraiment. C'est vrai? Ouais, ça me passionne. Ah, mais c'est bien. Et FIFA, un peu, tu tâtes? Fin... Ouais, ça va. Donc, ça fait longtemps que j'ai joué quand même. Ouais. Non, okay. Ça fait longtemps que j'ai joué en vrai. Bon. Contre quelqu'un d'humain. Ah! Oh non. Et niveau foot, un peu, ça touche la balle? Ah non, je suis une merde, en vrai. Ah. Très clairement, une bonne merdasse. Mais c'est bien de le reconnaître. Alors, je te laisse appuyer sur une touche, Akitio, pour lancer le match. Et on est parti. On n'a pas de son! Si, il va y avoir du son, t'inquiète pas. Hein. Ah non, les écouteurs, pardon. C'est ça? Faut juste mettre le casque. Je crois que bah pareil. Hein, Je t'ai pris le tien, c'est ton casque, chef? Ah non, je l'ai pas utilisé. Alors normalement, vous avez un casque. Là, ah, les radios, ok. Voilà. Ça peut être là. Et là, vous avez le son. C'est à peu près là où je regardais, mais dans l'autre sens. Et vous allez vous sentir encore plus dans l'émission en plus, parce que c'est vrai que là, du coup. Ah, c'est vrai que. Bah, oui, c'est con, mais c'est une émission de radio, mais un casque. Ça. Tout à l'heure, il me regarde, il fait hey, c'est pas ta première, espèce d'abruti. Je kiffe. Allez les amis, France-Portugal, remake d'un match bien sûr de 7 euros 2020 / 2021. Bonne chance, donc. Ah, bonne chance, hein. Entre Kinvé et Akitio. On a une petite latence, t'as vu, c'est marrant. Oui, alors oui, évidemment, on a ici plein de, comment dire, moyens technologiques, mais c'est vrai que au niveau de la latence, on aura toujours une petite, hein, c'est normal. Et donc, pour l'instant... Belle défense. Le round d'observation. Oui, il défend bien, il est attentif, on va dire. Alors, il paraît que t'as fait un son pour l'Euro, Kinvé? Ouais, je suis un peu amusé avec ça, ça m'a fait rire. L'idée me faisait assez gaulerie. Ouais. En fait. Attends, je mets un but. Ouais, c'est ça. Attends, je mets un but et je réponds à ta question de merde. Non. En fait, non, je me suis éclaté. J'avais envie, en fait, c'était plus un challenge perso. Et puis c'est surtout Koé qui me l'a donné quand j'ai fait l'émission de radio sur NRJ. D'accord. Il m'a dit, il m'a fait, écoute, je te lance un défi, je voudrais que tu fasses une chanson de l'Euro. Donc j'ai pris la base de Tahiti et puis je me suis amusé à faire un petit truc sympa. Et c'est sorti du coup? Rassure-moi, t'es meilleur sur Rocket. Ouais, on l'a sorti le 25, il me semble. D'accord. Ah bah c'est cool ça. Ouais, c'est sympa et puis c'est rigolo, tu vois, c'est vraiment, c'est pas un single, hein, c'est vraiment, on s'éclate. Ouais, c'est juste pour le délire quoi. Ouais. Bon, pour l'instant c'est vrai qu'on voit une petite domination de Kinvé pour l'instant. Ouais, mais
Je le sens pas. Oui. Je sens le gars qui fait ce genre. Tu te méfies. Ouais, ouais, ça sent la fourberie de ce capin un peu. Et ouais, justement, on le voit avec Joao Félix là sur le côté à Kikyo. Oh, monsieur dribble, attention! Non, j'ai mis mon analogue dans tous les sens. Le mec est sur Street Fighter. Ah, c'est bien ça. Oh, attention. Alors qu'on pensait qu'Inve allait ouvrir le score il y a deux joué. Secondes. Attends, c'est quel c'est carré pour tirer. Ça explique tellement de choses. Eh bah, à qui on t'a dit non, toi, c'est bizarre par contre, parce que toi t'as pas. Bah non, il devrait faire rond pour tirer. Ouais, on est d'accord que normalement ça devrait. Oui. Être. C'est moi qui mets carré. Ouais, c'est bizarre. Je suis en alternative, ok. Je crois qu'Inve, toi t'es en mode PES, toi, c'est ça. Ouais. T'as les touches PES. En fait, je sais pas pourquoi. C'est parce que la première fois que aïe, je vais me prendre un but. Oh, il a pas fait la passe. Oh, le dommage. Oh, le dommage, il a pas fait. Ouh là là là. Ah non, attention, c'est nul. Le pressing. Monsieur Muchef. Allez. Réveille-toi, petit. Hop. Tacle à la jugulaire, lui, c'est Ronaldo. Tacle à la jugulaire, on a dit, on s'en fout. Ça me rappelle le sketch d'Alban Ivanov, ça. Tu sais, le fameux tacle à la gorge. Ah, c'est ça. Putain, j'ai appuyé sur carré. Vas-y, change tout, ça va pas. Attends, mais... Je peux pas jouer avec quelqu'un qui va se dire j'ai perdu parce que j'ai pas les touches. Non, je suis pas un mauvais perdant comme ça. Moi, oui, c'est pour ça que je te le dis. Ah, ok, d'accord, pas de souci. Et bien sûr, sur le chat de Twitch, allez les bleus, bien j'ai entendu. J'ai aucune idée de où on change, en fait. R2. L2. Ouais, bah ouais, je suis chaud. Et t'as jamais joué, donc j'ai en train de même mais pas de gagner contre quelqu'un qui a jamais joué, c'est incroyable. Non, moi, normalement... T'es alternatif, faut-tu mettre classique. Toi, tu veux... Ah oui, toi, tu veux tirer avec rond, c'est ça. Ouais, je veux juste que ce soit normal. Je vais te mettre classique. Bah, classique, et on est bon. Voilà. Nickel. Parfait. Voilà, tu vas pouvoir vraiment... Faire voir tes talents quand même. Non, j'ai aucun talent. Hein, que serait on peut faire un petit défi. Oui. Non mais avec Akitio, on peut se faire un petit défi pour rigoler. Vas-y. Ouais. Si je te bats, un soir, il faudra que tu raides un copain à moi. Ah ouais, il n'y a pas de souci. Ah mais ça on note, hein. Ouais. Ça on note. Ok. Attention. Allez Yoris. Bon, maintenant je peux jouer. Oh, et qui t'a fait ? Ouais, ya. Alors attendez, je sais même plus qui est qui là, c'est blanc. Très bien. Ok. Aïe, alors t'es loca. Tu vois, quand l'adversaire il commence à chanter, c'est pas bon signe. Il se permet de faire ce genre de choses. C'est pas bon signe en général. Pogba passe à Griezmann. Après, Griezmann. Oh là là. Et c'est Oh là là. Putain. Je pas eu peur. T'aurais dû, c'était Mbappouille. Ouais, mais l'angle, il était horrible. C'est magnifique l'angle. C'était plutôt Ratatouille, hein, pour le coup. Je peux pas te dire, mais. Ce lag est très dur, les gars. Ouais, c'est dur. Bon, ça va, t'as joué dans des conditions pires, je suis sûr. Ouais, je. Oh non, c'est pas une excuse. Mais qu'est-ce que t'as fait, chef? Oui, bon. J'ai vraiment une défense de merde, par contre. C'est pas les vrais Français qui sont merdiques en défense, c'est moi. Hein. Rabiot, ah ouais, non, passe la balle. Allez. Il y a un truc à faire, là, avec Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann pour Kinvé. C'est marrant, hein. Je vous rappelle hein, bien sûr que vous regardez Energy Experience. Kinvé, oh, qui va peut-être ouvrir le score ici, qui se remet sur son... Goal! C'est vraiment un jeu de merde. Oh, à la glotte, il a célébré à la glotte, Kinvé. Et voilà, ouverture du score face à Akitio. Mais très très belle défense, ouais. C'est juste que j'ai joué la rapidité. Mais c'est pas gagné, hein. Mais je pense que c'est une facile. Si... Genre, c'est vrai que le temps de latence, là, genre, je pense que t'es plus technique que ça. Tu vois, ouais, par contre, oui. Et donc, ça t'empêche de faire 2-3 trucs. Ouais, mais tu fais des vrais beaux appels comme celui-ci que j'ai bien anticipé. Mais tu fais des vrais beaux appels. Tu joues jamais ? Je joue qu'en club pro avec des potes et je suis défenseur. Ah oui, tu fais un peu du club pro, toi, Kimi ? J'ai fait, mais tu sais, en fait, c'est tout dépend du temps que j'ai dans la vie. Ouais, bien sûr. Parce que t'as pas 7000 heures, quoi. Non. J'aimerais bien, hein. Après, c'est un métier, en vrai. Oh, oui, c'est vrai. Attention, la réponse d'Akitio, peut-être. En général, c'est les compétiteurs, ils sont toujours un petit peu touchés hein, quand ils prennent des buts comme ça. Ouais, j'ai le seum. Ouais, j'ai le seum. Le mec est très honnête. Ah, je vais le buter. Non, pas les couilles. Tu vas me fumer, mais j'aurais quand même le seum. T'inquiète, Roquette, je t'humilie. 6-0, je te biffe même. Ça y est, on a eu notre moment, comme à chaque live, comme à chaque énergie expérience. C'est parti. Par contre, j'ai fait une erreur de strat, effectivement. C'est très très bizarre. Ah, je me disais aussi, alors, c'était bizarre. Qui s'est mis en offensif? Moi. Qui s'est mis en offensif? Moi. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut se mettre dans l'offensif. Eh oui, bah oui. Bah, fallait que je mette un but. C'est ça. Mais en même temps, j'avais pas... Pourquoi tu fais ça? Ah oui, c'est bon. Je comprenais pas pourquoi j'avais pas Mbappé en pointe pour courir, c'est mieux.
Je savais même pas qu'il était en pointe. Bon. Bah, j'ai pas vu, c'était Dembélé depuis tout à l'heure. Je fais mais Dembélé. Ah non, gentil. Mais moi je savais pas qu'il jouait en pointe ou quoi. Enfin, je... ah, ah, tu connais pas le foot donc. Bah, tu... écoute, je regarde un match à l'année. Là, c'était France-Portugal. Mon père est portugais, donc forcément. Voilà, ah, tu, là, tu t'es dit, je vais un petit peu reproduire ce qu'il disait, quoi, en gros. Ouais, exactement. Il a parlé de Cristiano, Bruno Fernandes, Renato Sanchez. Je vais non, y reconnaître. En vrai, non, il connaît aucun joueur. Ah, juste, d'accord. Il était énervé. Il okay. était énervé. Il y avait de quoi, il y avait de quoi. Allez, c'est la deuxième période, les amis. Et juste après, on va enchaîner avec un joli Rocket League. Vous savez, c'est ce petit jeu-là, hein, où on contrôle des voitures et où on essaie de marquer des buts. Chef. Belle défense. On reste dans une ambiance foot parce qu'en ce moment, vous le savez, on est en mode Euro 2020. Oula ! Mais c'est très beau, ça. On aime bien. Alors, il y a un truc qui est très intéressant et qui est tombé sur le chat de Twitch. Ça leur fait mal de tomber ou pas ? Non. Tu vas nous dire... Il est à fond dans son match et il arrive à quand même faire des vannes. Et attends, il va quand même... Oh non ! Mais t'es une merde ! Mais c'est pas... Mais putain de... C'est critique. Oh là là ! C'est critique. Mais qu'est-ce qu'il rate, lui ? Je vais attendre avant de poser ma question parce que je sens vas-y, que ça... Vas-y, là, je suis là, je suis calmé. Non, non, je calmé, j'attends, j'attends. Et comme un enfant, il s'est calmé. Non, 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 non ! Et voilà. Oh putain, et bien joué. Et oui. Ah, j'ai loupé la table, bon, là. Tiens, Rabiot, on sort pour la peine. Allez, brah. Mais c'est ça de s'enflammer, en fait. Quand tu bah, sors de ton match, c'est ça. Bah, il faut. Non, mais enflamme-toi, t'inquiète. Il y a pas de souci. Il faut alors, de la passion dans cette vie. Alors, Kinvé, là, on a un défi pour Akitio, mais il faut un défi pour toi aussi. Vas-y. On est d'accord. Alors, si jamais... à Rocket League, Akitio. Oh bah du coup, non, mais je le fais d'avance. Alors, bah, si, je coup, le fais, je pense que vous, je le fais d'office. Vas-y, go. Je pense que vous allez jouer ensemble. Mais du coup, on va voir quel défi on va mettre en place. Mais Akitio dans un clip de Kinvé. Non. Engage. Vas-y. Je crois que ça. Lui, ça lui fait pas. Tu vois, a priori, il a pas l'air. Déjà que je fais. Je sais pas ce que je fais ici, mais alors imagine. À chaque fois que tu vas me le répéter, ça va me tuer, ça. Mais non, mais Akitio dans un clip de Kinvé, je pense que c'est pas mal, ça. Honnêtement, je pense que c'est pas mal. Alors attention. Bah, j'ai failli faire un. Kinvé qui est piqué avec Corentin Tolisso, Kylian Mbappé. Oh, c'est le but. Et c'est le but. C'est le but, Kylian Mbappé. Et t'as jamais rêvé d'être commentateur? Non. Ça tirait bien en vrai. Hein. Non, j'aime bien gueuler, c'est tout. Ah d'accord, ok. Un bon gueulard. Voilà. Bon bah 2-1, 2-1 pour le coup pour Kinvé. Je savais qu'il y aurait de l'ambiance avec FIFA, j'en étais sûr. Alors Akitio il reste très 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 lucide, tu vois. Il reste très concentré dans son match. Et de l'autre côté t'as Kinvé qui lui est un peu plus expansif. On a vraiment deux écoles différentes. Mais je trouve que c'est quand même très serré. Cette passe de chien. Je trouve que c'est super serré. Alors les amis, je vous le rappelle sur le chat, hein, je profite de ce petit temps mort là. Sur le chat, on va vous faire gagner des casques grâce à notre partenaire Omen. Oh sur c'est cette émission. Nul. Mais c'est une voilà. Oh, tiens, Et les casques ne sont pas nuls, je vous rassure. Ah, et Kinvé vais... peut-être pour son troisième but. Et non. Il est long le temps là. Hein. On aimerait bien que ça s'arrête un peu. Hein. Je le sens pas là. J'aime pas trop là. Ça ouais. trop. Ouais. Ça sent mauvais. Hein. Ça, il est hors jeu là. Je pense pas. Non. Ah, oh, c'est en vacances, ouais. J'étais encore en pays. Non, je te jure, j'étais c'est encore en pays. Il y avait la caravane, j'ai déjà sorti le Ricard. Tu te fous de ma gueule. Bah, franchement. Mais là, franchement. Bah, ouais, archi-close. Non, archi-close. Archi-close. Il était hors jeu d'un pied, allez. Mais malheureusement, il avait hors jeu quand même. Je l'ai pas dit là, chef. Fais où je te demande quand même. On va s'embrouiller sévère. Hein. Tu vas voir, dans Didier Deschamps, c'est gentil à côté de moi. Ça, c'est un peu chiant sur FIFA, ça, en revanche. Je le reconnais. Tu fais une passe, elle va jamais là où tu veux. Oh, attention, le troisième but à Akitio. Akitio en grande difficulté, là, dans cette fin de match face à Kinvé. Oh, la roulette, carrément. Ça fait rire. Ah, c'était vraiment du cinéma, quoi. Ah, mais du cinéma total, hein. Mais c'est le but. Je t'ai non, mais... humilié, t'as pas mais, le mais t'as le droit de marquer, y'a pas de soucis. Mais c'était du cinéma quand même, c'est tout. Mais je sais maintenant que t'es plus technique. Mais avec le lac, je comprends que tu puisses pas te. Ouais, c'est dur. Tu peux pas te faire plaisir. Non, c'est vrai, je rejoins Akitio là, t'en as fait un petit peu trop là, Kinvé. Oui, c'était. T'en as fait un peu trop. Tu sais pourquoi j'en ai fait trop? Je gagne 2-1, je veux juste gagner du temps. Ouais. Mais sans ouais, que ça se voit trop, donc si je fais des tap, tu es comme ça, putain. Tu vois, je me dis. Tombe pas dans la facilité non plus. Ah bah 3-1, ça va, je peux tomber dans la facilité. Ouais, ouais, c'est... Fais-toi plaisir. Y a du temps encore, Akitio. Tu sais quoi, je suis pour toi là. Franchement, je veux que tu reviennes dans ce match parce que là, il est un peu trop. Il se sent plus là. Non, mais je vais bien faire le malin à Rocket, t'inquiète. Hâte d'y être, déjà. Allez, peut-être pour... Oh, pour recoller.
Allez, plus que 5 minutes dans ce match et derrière, on va passer à Rocket League. Oh, il était bien tiré. Hernandez, corner. Quel arrêt du Hugo Lloris. On m'explique pourquoi le joueur que j'ai sélectionné a changé, mais vas-y, on y va. Oh, ça, je cherche pas à comprendre. Déchet énergie, il peut se passer plein de choses. Attention, 3 minutes. Et oui, on rejoindra Louis à 21h, les amis, et Kinvé viendra avec nous. Et on fera le début de l'émission Énergie Radio Stream ensemble avec Kinvé. Et en plus, ce soir, c'est une émission spéciale horreur. Une émission où on va se raconter des trucs qui font très très peur, les amis. Allez, je pense que là, la messe est dite hein, pour ce match-là. Peut-être un but pour justement réduire l'écart. Avec Cristiano Ronaldo. Il est hors... Pardon. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Non, mais dans tous les cas, j'ai loupé la frappe. Jamais de la vie. Le replay magnifique. Oh non, je suis pire joueur, ça va. Mais non, en plus, t'es pas hors-jeu. Non, si, t'es hors-jeu. Si. Bah non, parce qu'il a remis un 6 mètres. Il a remis un 6 mètres. Ah, d'accord. Ah oui, okay. Il a remis un 6 mètres. Ah, là, il est juste nul. Ah, pardon, il est. Ça taille. Vas-y, un verre Rocket League. On oublie le. On est ensemble, là. Oui, alors voyons Rocket. Le nom de mon collègue s'appelle Ajnin Toy pour le raid. Bah, faudra alors. Tu as perdu. Là, faudra peut-être que tu me les pèles après, quoi. De toute façon, on va régler ça, bien sûr, à la fin. Vous avez kiffé quand même ce petit FIFA, là? Ouais, bah, moi j'ai gagné, je suis content. C'est pas un jeu ouf. Non, c'est vrai que Rocket League, c'est quand même plus drôle. Oui, ça va être plus marrant. Je ne sais pas jouer, mais j'ai déjà vu des gens jouer. Ouais. Dont lui, d'ailleurs, parce que je suis allé voir sa chaîne exprès. Ouais. Et je trouve que le c'est ludique. Faut comprendre, j'imagine qu'il y a une technique. Mais c'est hyper ludique. Et puis je trouve ça marrant, le concept est sympa. Il y a beaucoup de. C'est un jeu qui demande quand même beaucoup de maîtrise, qui demande un petit peu de temps de jeu. Mais je pense qu'il y a un côté très très fun, tu vois, quand t'arrives dessus, c'est assez intuitif. Bah, tu vois une voiture, tu vois une balle, t'as envie d'y aller, quoi. Mais après, c'est vrai que, comme Akito le disait, il y a quand même une partie où il faut un petit peu progresser. Mais c'est le jeu le plus skillé qui existe. Ouais. Actuellement, c'est le jeu le plus dur. Il n'y a pas plus dur. Le plus dur, tu avais dit skillé. Ah non, c'est le plus dur. Skillé. J'ai dit, c'est un terme de geek. Je les ai pas tous, tu vois. C'est le jeu le plus dur. Genre, t'auras toujours une marge de progression insane. Tu vas être à chier. Voilà. Faut dire les termes. De toute façon, on est là pour ça aussi. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Tu vas voir que ça va être très très compliqué. Alors, ce que tu peux voir en vidéo, c'est très simple. Ça pourrait être intéressant. Mais c'est ce que je me suis dit. Je fais putain, ça a l'air sympa, ça a l'air très très marrant. Mais c'est drôle, hein, mais c'est trop dur. Et je pense que ça pourrait être intéressant de sortir une sorte de dictionnaire de geek, tu vois. Tu répertorierais un peu les mots. Ouais, mais il y en a pas un de connu, quoi, tu vois. Un de très très connu. Genre en livre? Bah oui, en dico, quoi. Mais t'achètes des livres? Bah oui. Oui, il y en a encore qui lisent. Ok, pardon. Non, mais t'achètes des dictionnaires ou... Bah oui, j'ai toujours mon petit Robert chez moi. J'aime la langue française. Oui, moi aussi, mais j'ai Google sinon. J'utilise Google. Safari, que veut dire scrillé, s'il te plaît? Il est à l'intérieur. Allez, con. Bon, Kinvé, dis-nous, c'est quoi un petit peu en ce moment l'actu là? Qu'est-ce qui se passe? Comment se passent tes journées avec l'album que tu viens juste de sortir? Ça se passe comment là en ce moment? Bah, promo. On a eu un super départ. Après, on a eu des bons retours. L'album plaît, donc c'est déjà le principal si tu veux. Complètement. Quand tu fais un album, c'est cool. Et donc, promo à droite à gauche. Cet été, je m'enferme au studio et je pars en vacances. Ah, okay. Et puis, on va aller vivre la meilleure vie à Tahiti. Tu vas vraiment y aller du coup? Ouais. Okay. J'y retourne une cinquième fois pour le coup. Oui. Ouais. Et comment dire, tu vas réenchaîner, tu vas déjà recommencer à enregistrer pour la suite là? Non, mais je fais toujours. Moi, quand je dis que je suis en studio, je suis constamment en studio. Ah, en permanence? Ouais, bah c'est comme lui, tu vois, c'est quand tu quand t'aimes vraiment ce que tu fais, en vrai. Par contre, moi je fais des pauses soleil. C'est bien pour les vitamines, c'est intéressant. Oui, et puis ça inspire un petit peu aussi, je suppose. Non, mais carrément. Non, mais c'est trop cool. Donc, cet album a rêvé qui vient de sortir comme ça. On t'entend beaucoup sur Énergie. D'ailleurs, t'es passé il n'y a pas si longtemps que ça. T'es venu faire une petite émission avec tes amis. Ça s'est passé comment? Raconte-nous. J'ai kiffé. Non, mais c'était trop drôle. Parce qu'en vrai, les boss m'ont proposé et j'ai trouvé l'exercice drôle. C'était la première fois de ma vie que je le faisais. Moi, je l'avais fait quand j'avais 16 ans sur une radio qui s'appelait Éphémère, qui a d'ailleurs pas duré. Oula. Elle portait bien son nom. Ouais, c'est ça. Et donc, l'exercice m'a plu. C'était rigolo. J'ai pris gros plaisir à faire. C'était une petite corde de plus à mettre à mon arc, c'était sympa. Et c'est trop bien. Et t'as kiffé le fait d'animer comme ça? Tu te sentirais, toi, tu devrais animateur? Ouais. Ouais, carrément. Ouais, ça m'agrave plus en vrai. Ouais. Parce qu'on en a vu, hein, justement, des artistes qui se mettent comme ça. Ouais, non, ça m'a vraiment grave plus au point où. Ça t'a donné des idées? Non, pas donné des idées, mais tu sais, quand tu fais de la scène, tu reçois un certain kiff. C'est vrai. Et en fait, j'ai pu le comparer. D'accord. C'est-à-dire que j'étais pas loin. Ah, tu vois, d'accord, j'étais pas loin d'un truc que j'aime depuis 12 ans. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était quand même bizarre. C'était même bizarre à accepter. Je vois. Que quand je fais de la télé et tout, je me sens pas autant à mon aise. Ouais. Autant que là, j'ai vraiment kiffé l'exercice. Ok. Bah, c'est intéressant alors, parce que franchement, moi je pense que t'as.
t'as des trucs à faire. Bah, je pense qu'il y a des choses que tu peux faire. C'est facile. En plus, moi, je pense que t'as un carnet d'adresse long comme ça. Ouais, ça donc, il y a moyen de. Un peu de temps qu'on travaille au sein. On charbonne. Hein. Non, mais en tout cas, merci encore une fois à toi, Kinvé, d'être là. Bien entendu, je crois qu'on est prêt à lancer Rocket League. Je vois que dans l'image, voilà, on a vos deux points de vue. Regarde son sourire de satisfaction. Il se dit enfin un jeu que j'aime. C'est ça. Non, en vrai, j'aime beaucoup FIFA. Ouais, mais en vrai, il faut être honnête. En gros, de ce que j'ai compris, j'ai choisi le premier jeu et il a choisi le deuxième jeu. Ouais, c'est un peu ça. Attends, mais de base, on m'a parlé de Fortnite et tout. J'étais là en mode, bah non. Tu veux pas Fortnite? Mais si, tu viens de dire que. Mais non, non, mais Fortnite, oui, non, mais j'y joue au début, mais ça va. Tu vois, les 7 mineurs, j'ai dû en passer 3500 sur Fortnite. Ah, mais tu vois, moi j'ai kiffé, je kiffais Fortnite pour le côté ludique, les graphismes et tout. Ouais. Mais alors, la construction, frère. Ah, mais pareil, on est pareil. Ah, mais moi, je meurs. Je ne comprends même pas. C'est ça. On est sur Minecraft ou on est sur Call of? Faites un choix, les gars. Non, mais faites un choix. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'ai joué à Fortnite, franchement, j'ai bien kiffé. Ah, moi aussi. Puis, c'était marrant, en fait, au début, tu vois, tu pouvais construire. Ah, ok, il y a un truc, il y a un concept, c'est sympa. Mais alors, quand les mecs, ils ont commencé à éditer dans le jeu, ouvrir des fenêtres. Et puis après, il y a les trucs où tu sautes dans tous les sens, les grappins, les machins. C'est plus Fortnite, c'est Batman. Ouais. Oh non. Ah, il est bon, Kinvé, il est bon. Bon, écoutez, Rocket League, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Kitio? Est-ce qu'on peut faire une sorte de 2 contre 2? Genre, vous jouez ensemble? Non, il va me buter là. D'autres personnes. Non, on va jouer ensemble. Humilie-moi, vas-y. Je pense que ça va être un peu chaud. Ouais, je pense que je fasse chose. Non, on va jouer. Vous êtes ajouté en ami. Ça a été fait? Non. Oh, je m'appelle Kinvé le monstre. Alors attends, on s'est pas ajouté en ami du coup. Alors, comment on s'ajoute en ami? Ah, c'est pas un jeu que tu connais, Akito. Mais moi j'ai trouvé, j'ai Akito le boss, bam, bim. Comment tu m'as invité dans le groupe? Parce que, écoute, non, je connais ce jeu, voilà. Okay, c'est parce qu'il le voit mieux que moi. Ouais, t'es pas bien joué. Rien d'autre à dire, voilà. Tu veux d'autres choses? Tu veux que je fasse d'autres choses? Non, mais là maintenant tu peux lancer genre en occasionnel et on va aller en 2v2, je pense. Ouais, jouer ensemble. Mais jouer, entrer sur le terrain? Non. Pourquoi c'est moi qui fais d'ailleurs? Parce que t'es le chef du groupe, vu que moi je sais pas inviter des gens. Et si tu fais jouer, vas-y. Là, tu fais occasionnel. Et là, 2v2. Ouais. Putain. C'était fait exprès en fait. Joueur Rocket League. Et ouais, mec. Alors vas-y, et ça c'est pour rouler ou pas du tout? Non, mais je crois que t'as pas besoin de la souris sur Rocket, hein. Mais d'accord. Bah, il faut jouer avec quoi? Avec mes doigts? Avec le clavier. Là, je te le dis actuellement. Bonne chance. Mais tiens, je pense que tu vas te connecter avec ma manette. Ouais, on va faire ça, ouais. Non, non, je joue avec ta manette, frère, t'inquiète. Non, non, mais ça va être mieux pour toi. Non, je te jure, faut mieux que j'apprenne. Fais-moi confiance. Non, mais justement, parce que moi, je pourrais pas te guider avec clavier souris. Bah, dis-moi au moins les touches. Bah, je joue manette. Ah, ça va. Bah, je vais trouver. Si je joue manette. Alors, ça doit être ZQSD, comme sur tous les jeux. ZQSD. Attends, mais tu joues manette de base. T'inquiète. Mais je m'inquiète. Tu vois pas qu'il a envie de jouer à la. Au clavier sur le PC Omen, j'ai. Non mais je vois que c'est un joueur manette. J'ai vu la disposition de ses mains. Je vois la disposition de ses mains. J'apprends vite. Je suis obligé là de. Tu vas prendre ma manette, t'inquiète. Jules, je sais pas si tu peux faire un plan sur les doigts de Kinvé. C'est juste à mourir de rire. C'est la première fois que je vois ça, donc je suis obligé de t'aider là. C'est. Mais en vrai, t'as touché la balle, t'es un crack. Deux fois j'ai touché la balle. On marque de quel côté? Du côté bleu. Ah bah j'ai mis dans le mauvais sens, pardon. Ouais. Alors, mais t'inquiète. On a Aki sur le chat de Twitch qui nous dit la session Rocket League va être marrante à voir. Et bah je te dis, elle l'est déjà. T'as failli. Hein. Ouais. Faut juste voir les mains de Kinvé. C'est. Attends, quoi, c'est bien les mains. En fait, de base, tu utilises que ta main gauche pour faire ZQSD, tu vois. Ah oui, bah non. Alors, en fait, je sais déjà pas faire de piano, chef. Alors. Kinvé, je crois qu'avec la souris, tu peux. Hein. Ouais, en fait, la souris, elle te permet de sauter, attends, tout ça. Mais attends, il est en train de toucher la balle quand même. Je marque un but, attends. Tiens, si tu veux, tu peux la mettre celle-là. Oh, ça a fait ça? Conseil de pro? Qu'est-ce que ça a fait? Connexion perdue. Oh non. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, ça c'est des problèmes de réseau, malheureusement. Mais j'étais chaud, j'allais marquer un but. Mais franchement, t'allais marquer un but, hein. Problème de réseau. Eh bah, ok, Kinvé, tu peux mettre ok, on va relancer. Hein. Ouais, go. Pas de panique, pas de stress, les gars. On relance. Au calme. Ça, je quitte le match et je vais t'inviter. Ça nous est arrivé à tous, les amis. Voilà, y a pas de problème. Ah si, alors je t'explique. TheGG sur le chat de Twitch, il lui a proposé en fait de brancher la manette, mais apparemment Kinvé veut partir à l'aventure. Il est en mode Mike Horn ce soir, donc il a envie de jouer au clavier à la souris. Voilà. Ouais. Une invitation. Bah, en fait, si tu veux, je trouve qu'il est plus facile d'apprendre quelque chose quand tu ne sais pas. D'accord, donc tu veux apprendre en fait à l'aventure. CQSD, Z. CQSD ou CQFD ou ZQSD? Non, en fait, c'est que moi j'ai besoin d'avoir mes deux mains parce que le Z et le S, je le mets sur la même ligne. D'accord. Et le D et le Q, mon cerveau comprendra que c'est gauche et droite. Le Z et le S sont sur la même ligne? Ouais, devant, derrière. D'accord, ok. Devant, derrière, logique, comme ça j'ai juste à faire ça. Si je veux aller devant, je vais sur le Z. Si je veux aller derrière, je vais sur le S. Et si je veux aller à droite, je vais sur ma main droite. Et si je veux aller à gauche, je vais sur ma main gauche. D'accord. Ça me paraît plutôt logique en fait à moi. Bah, ta logique est très bonne. J'ai touché le ballon, monsieur. T'as le droit, y'a pas de souci. Mais je pense que t'as besoin de la souris pour sauter au moins.
Ah, parce qu'il faut sauter. Oui, oui. Comment? Oui. Bah, espace, j'imagine. Non, avec la souris. Ouais, je pense que c'est. En fait, clic droit. En fait, je ne sais pas. Ah, et clic gauche, boost. Oui, ça complique, mais oui, t'as besoin de la souris. Ah, jamais. Mais regarde, mais place juste tes doigts comme ça, tu vois. Genre, tes trois doigts. Tu veux que je fasse ça. Ok, et je vais y arriver. Exactement, là, t'as la position parfaite. Bah, incroyable. Voilà. T'apprends si vite. J'adore. C'est il paraît. Ah, c'est bien, on a eu un plan sur le clavier de Kinvé. Vous avez vu, c'était compliqué, mais là c'est mieux. Là il est bien. Ça va, Kinvé? Tu te sens mieux? Oui, cool. Ok, t'as pris tes marques? J'ai rien compris au boost encore. Toi, monsieur. Ça se passe bien là. En plus, c'est cool, on tombe pas sur des mecs qui sont super chauds, ils vont nous pulvériser. Ouais, c'est des machines. Ça va aller. Vas-y, je suis au centre. Je pense qu'à Kikyo, le mieux, ça va être de défendre. Oh, allez, Kikyo le boss, bien sûr. C'est bon ça, Kikyo. Non, mais t'es là, chef. Eh ouais. Non, mais t'inquiète. Alors, t'es sûr que tu veux pas tester ma manette? Je te promets que ça va être mieux pour toi. Ouais. Hein. Franchement, je comprends trop bien. Le défi, les amis, je veux que Kinvé réussisse à marquer au moins un but dans cette session. Et si Kinvé ne marque pas, continue. Kikyo dans un clip de Kinvé. Est-ce que ça vous va? Et moi, je veux bien, c'est lui qui veut pas, montrer sa tête à l'écran. T'inquiète pas, je déciderai pour lui. T'inquiète pas. En plus, dis-toi un truc, c'est quoi? Eh, il m'a poussé, wesh. Oh, deuxième but! Alors, le mini Pacino, hein? Il aime bien gueuler. J'aurais été un très bon Twitcher. Tu pourrais, ouais. Tu pourrais. Non, des fois, je prends la chaîne de mon pote histoire de rigoler ouais, quand il est pas là, tu vas aller en vacances et tout. Mais ça te va bien en vrai. Ça te va très bien. Ouais, mais tu sais, chez moi en fait, j'ai tellement de pas de co. Ouais. C'est vraiment le fait. Oh là là. Il est parti à Babal. Allez. Et il est où, Ballon? Donc, on veut un but de Kinvé. Akitio, c'est ta. Pas contre son. Ok, j'ai une mission. C'est ton défi, c'est ta mission, voilà. C'est exactement ça. Il faut que tu fasses marquer Kinvé. Ah, bah il a pris la balle. Allez. Vas-y, va juste sur la balle tout le temps, t'inquiète. Ah, bah là, je rentre dans le jambe. Allez, j'aime bien, je les laisse se concentrer tous les deux. Il va pas mettre, je suis là. Il va mettre. Non, t'inquiète, il met pas. Mais qui est le chèvre? Oh là là. Pour l'instant, c'est des mecs qui se jouent de nous là. Et vous êtes bien les jaunes, hein, on est d'accord, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Okay. En vrai, je pense que si tu restes au centre, je te ferai forcément une balle à un moment. Il arrive sur toi là. Le papa. J'aime bien là, ils sont calmes, ils sont dans leur partie. Vas-y, je suis au centre, chef. Oh putain la balle. Attends. Hop hop hop. Allez. Oh, t'es trop nul. Ah. Mais vas-y, bats-toi. Allez, bats-toi encore. Allez. Oh, on a battu. Ah, j'ai compris comment on sautait trop bien. Ah ouais. Il vient juste de comprendre comment ça boost. Ok, ça je te pousse. Ok, là c'est moi, vas-y, continue. Continue, c'est ton moment. Ah, il a esquivé, quel bon défenseur. Dommage. N'Golo Kanté, j'ai reconnu. C'est ça. Ce que tu peux faire en vrai, c'est, tu vois, genre t'appuies sur Z. Donc la touche pour avancer et deux fois tu sautes en avant. Deux fois tu sautes, ça va te faire un truc pour aller plus vite. Ouais, méga boost. Ah oui, méga boost. Mais tu fais ça vite. Vas-y, je suis au centre, vas-y, ping. Allez, on se positionne. J'ai été nul. En plus, c'est le moment. Il y a qu'un seul mec qui joue, je te promets que tu peux marquer un but. Il va le faire, il faut y croire. Allez, le but de Kinvé. On y croit sur le chat de Twitch aussi. On y croit. On veut voir Akitio dans un clip de Kinvé, les amis. Je suis pas sûr. Hein. Toi, t'es pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Toi, t'es pas sûr. Je te jure, je mettrai Twitch. Oh là là. Allez. Attention. En vrai, bats-toi pour la balle. Ça va le faire. Putain, mais en plus, tu vas déjà vers le haut et tout. Ouais, c'est pas mal. Non, mais je comprends. C'est juste que je veux faire. C'est assez propre. Ah, ça, j'y vais là. Oula. Vas-y. Attention. Je vais essayer de te la mettre. Ouais, c'est pas de me la mettre. Ah, oh, oui. Ça devient un peu bizarre. Ah, ça, c'est la normal game, c'est normal. Bien joué, mec. Pas mal. Est-ce que tu t'as trouvé un petit peu tes marques, Kinvé? Ça va? Oui, ça va. Hein. T'as compris comment sauter déjà? Ouais. Et t'as compris les boosts aussi? Parce que ça, c'est très important dans ce jeu. Hein. C'est l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ça, c'est boost. C'est exactement l'autre touche. Nickel. Ok, bah on est bien, je pense qu'on va y arriver. Mais en vrai, j'ai fait 14 de score. C'est pas mal. C'est mieux que zéro. Hein. Bon, c'est nickel. Zéro les autres là. Bah ouais. C'est mieux la chier. Mais en vrai. Genre, c'est un des meilleurs jeux que tu peux apprendre. C'est sûr, tu rigoles, tu vois. Ah oui, c'est sûr et certain. Mais à la manette. Je te le redis. À la manette, c'est. Ouais, je pense mais que c'est important. Tu veux faire le guerrier? Non, laisse-moi le guerrier, vas-y. Non, mais fais le guerrier, y a pas de souci. Mais je te le dis, à la manette, vu que t'es un joueur manette, ah, mais tu seras vraiment à l'aise. Quand j'essaierai, je ferai. Ok. Manette. On se relance une partie, ouais, les amis? Là, mets-toi prêt. Ils arrêtent pas de se dire pardon, les gens que t'as vu, pardon. Ah oui, ils se parlent, c'est normal. Dans le jeu. Vas-y, tu peux mettre prêt. Tu cliques bas. Prêt, je clique. En haut à gauche. Prêt. Voilà, oui. Nickel. À qui sur le chat qui nous dit. Il veut faire une revanche? Toucher de clavier. Ah, non, oui. En fait, là, ça cherche juste des joueurs aléatoirement. Ah, d'accord, parce que je croyais qu'ils étaient assez humiliés. Là, tu peux mettre ton but en. Oh, excellent toucher de clavier, t'as pas le droit. J'aime bien. Ah, je voulais le faire. Là. Ah, on a Rickenberg. Presque Heisenberg. On a changé de lieu, là?
du coup. Ouais, là, c'est une nouvelle map. C'est pareil, hein, de toute façon. Ouais, en soi, les maps, c'est les mêmes quand tu joues comme ça, genre. Après, t'as des maps un peu différentes pour d'autres modes, quoi. Allez, on est reparti, les amis. Une game de 5 minutes. L'objectif, bien sûr, c'est de réussir à faire marquer un but à Kinvey sur Rocket League. Je pense que vous connaissez tous ce jeu. Vas-y, là, tu peux partir. Là, tu peux partir, c'est ton moment. Allez, Kinvey. Tu te places à gauche, tu tires à droite. Allez. Dommage, vas-y, continue. Ah, j'ai loupé. Ah, c'était de l'autre côté, non? C'était de l'autre côté. On est d'accord. Là, on tire bien sur le bleu. Maintenant, on tire sur l'orange. On a changé. Ah merde, pardon, bah oui, j'ai rien compris. Mais non, j'allais de l'autre côté exprès, en fait, je suis nul. Là, c'est ton moment. Dommage. Là, tu y vas. Je te. Ah, j'ai trop. Dommage. En vrai, pas mal. Oublie pas que tu peux faire des sauts qui deviennent. Oui, mais c'est ce que j'ai fait, là. J'aurais pas dû, d'ailleurs. J'aurais juste dû faire un boost. Oui, c'est ça. Vas-y, je vais défendre un peu, là. Allez, la défense, nickel. On revient. Voilà. Tiens. Ah, Kinvey, non, fallait aller sur le but. Pardon. T'inquiète. Une biquette. Hop. Oh, c'est parfait pour toi. Là, tu reviens vers le bas. Accélère. Allez, Kinvey. Il m'a bougé. Mais il me pousse, le monsieur. Ouais, ça, c'est bon. Il n'y a pas d'arbitre, quoi. Ils sont pas gentils, ces gens. On va se prendre le but, là. Oula. Non, t'inquiète. Non, ça va défendre. La défense, c'est bon. Je suis au centre. Vas-y, elle est pour toi. Ah, c'est loupé. C'est tellement dommage. T'inquiète, ça va le faire, ça. C'est super drôle. Vraiment, mais grave. C'est un moment très stressant, les amis. On est à la recherche de ce but et on est sûr qu'il peut le faire. On est sûr. Vous êtes dans le bon sens là, c'est bon? Ouais. Okay. Bah, enfin, c'est lui qui attaque, quoi. Oui. Ok, là vous êtes en défense. Allez, on va pousser. Akitio qui essaye de préparer, hein, de setup l'action ici pour permettre à Kinvey juste de se placer et juste de pousser la balle au fond. Sur un malentendu? Ouais, carrément. Je joue à Rocket League avec des malentendus. Sur un malentendu, on va le mettre. C'est vrai que c'est un jeu de gros malentendus, Rocket League, on est d'accord. Allez, Akitio qui va assurer la défense. Kinvey, toi, il faut vraiment que tu essaies de te positionner. Limite que t'attendes. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de camping. Et bah, camp. Ouais, je suis tombé de toujours. T'as juste à camper. Là, si t'es au centre, il y a un monde. Tiens. Allez. Allez. Oh, t'es juste devant moi. On va y arriver, je vous le dis. Formez-toi, toi. Allez, où? Il est sur moi. Allez, c'est Akitio qui a le ballon. Non, Kinvey, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, Kinvey. Ouais, je sais. Vas-y, je suis là, normalement. Attends, j'essaie de la pousser. J'essaie d'aller vers le centre. S'il marquait contre son camp, ça aurait vraiment été terrible. Ça aurait été un but, hein, on aurait compté. Ouais, mais non, mais ça aurait été terrible. Ah, j'ai loupé. C'est dur. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Honnêtement, vous êtes chez vous comme ça, vous regardez sur Twitch. Vous vous dites, ouais, c'est juste un petit jeu de voiture comme ça avec un ballon, mais en fait, c'est très mais toi, très par contre, t'es super insane, frère. Si t'es au centre, à peu près. Tiens. Oh. Allez. Oh non, putain. Je suis nul, je suis désolé, en plus, c'est des offrandes. Mais non, mais t'inquiète, c'est normal. C'est totalement normal, en vrai. C'est trop dur comme jeu. Ah, dommage. Je suis si nul. Non, t'es pas nul, t'apprends, si, hein, c'est tout. Plus que nul, frère. Ah non, t'apprends. Allez, t'y es presque. Franchement, t'es vraiment pas loin. Oh là, je suis nul. Même en défense, je suis nul. Il est où le ballon? Ah, il est reparti. On y est presque, les amis. Oh, j'ai mal joué. Non, j'ai défendu, normalement. Ah, t'es un crack. Ah, je peux. Double boost. Ah! Là, si tu vas au centre, je vais essayer. Sûr que c'est faisable. Je sais pas pourquoi, je suis sûr que c'est faisable. Ils vont louper, c'est sûr. C'est ton moment, tu sautes, tu. Je suis nul. Non, tu t'es vraiment bien battu, en vrai. Il va mettre. Non, il met pas. Ah, mais toi t'es fort, ouais. Mais toi t'es fort, frère, t'es fort avec un grand F. C'est chaud. Mais non, c'est moi qui mets. Pardon. Ah, ouais, c'est bien, parce qu'il y a 6 minutes 10, tu vois. À Kitio, y a pas de surprise, quoi. Là, on fait un petit. Non, mais y a pas de surprise, mais frère, il joue quand même tout seul contre 2 titres. Y a un moment. Moi, je dirais même, il joue tout seul contre 3. Hein. C'est vrai qu'il va. Non. Il se bat bien. Il va mettre à contre son camp, quand même. Ouais, mais il se bat bien. En vrai, genre, pour quelqu'un qui a jamais joué, c'est un jeu de super compliqué. Bon, j'avais bien boosté, là, je crois. Bah, ça va alors. Ça fait plaisir. Allez, on va le faire. Il reste une minute, les amis. Hein. Et bien sûr, tout à l'heure, on vous fera gagner vos casques Omen qui nous accompagne, hein, sur cette émission Énergie Expérience, les amis. Omen qui produit de l'équipement, justement, pour les gamers. Spécial gamer. On vous offrira 3 casques. Allez. Oui, je l'ai mis, ma gueule. Je l'ai. Oui. Oh là là. Oh, je veux le replay. Le replay. Attention, il y a. Oh. En plus, t'as sauté, toi.
non mais attends, grave, t'as vu, t'as dit qu'on apprenait vite. Ah ouais. Incroyable. En plus, il a pris le coup de bout juste avant. Ah ouais, non, il a... tout était nickel. Nickel, bravo. Le chat est en folie. GG, dit le chat. Oh, t'es un crack. Et bien sûr, il a explosé. Hein. Incroyable. Après, je pense que t'en mets un deuxième, non? Ah bah pourquoi pas. Là, c'est le bonus. Hey, là, c'est trop fort, bien, parce que le mec il anticipe tellement. Je suis sûr que ce jeu en fait il me plairait. Parce que c'est beaucoup d'anticipation. Ah oui, non mais je peux. Ouais. Oh non, mais il a dévié. Dommage. J'étais à deux doigts. Ouais, deux doigts ça suffit. Pour plein de choses d'ailleurs. Allez. Attention. 9 secondes. On a fait que des 2 euros, mais pour une fois je t'ai aidé. Non, je pense qu'il y a 3 là, non? Je sais pas s'il y a 10. Non. Ah dommage. Eh bien, bravo, messieurs. Non, t'as mis ton but, t'es un crack. Hein. Je suis content. 13 centres. Ah ouais, j'ai fait un tir cadré dans un but. Moi. J'ai fait que ça du match. C'est-à-dire que j'ai fait une Giroud. Je suis là quand il faut, mais voilà. Et Giroud est champion du monde. Et Giroud est champion du monde. Quand même. Eh bien, écoutez, les amis, vous m'avez régalé aujourd'hui. Hein. Franchement, bien. Vous m'avez grave fait plaisir. Alors, FIFA, il y avait un petit peu d'électricité entre vous deux, parce que je pense que vous vous découvriez encore un petit peu. Et Rocket League, ça vous a soudé, j'ai bien aimé. Ouais, mais il joue super bien, quoi. Et il est bon. Mais dis-toi, je suis claqué sur le jeu. C'est ça qui est incroyable. Je suis claqué. Quand ça t'es claqué sur le jeu? Bah, je suis trop nul. T'es nul sur Rocket League? Ouais, je suis nul. Mais comment c'est. Non, je t'ai dit non. Non. Mais si, en fait. Ouais, bon, là, on a joué contre des nuls, c'est ça que tu veux me dire? Comment? Là, on a joué contre des nuls. Ouais, non, là, déjà, on a joué contre des nuls, tu vois. Mais moi. Je suis pas bon sur le jeu. Je fais pas partie des gens bons. Ah ouais. Donc dis-toi, il y a des mecs qui sont exceptionnels. C'est trop impressionnant à voir. Le chat dit quel menteur. Le chat te traite de menteur là. C'est eux les menteurs. Après il faut que. Je pense que t'as beaucoup d'humilité. J'ai beaucoup d'attentes envers moi-même. Ah oui. Qui fait qu'en fait, je peux pas me dire que je suis bon aussi sur un jeu. Tu vois, j'ai été bon sur aucun jeu. Mais Call of, t'es bon? Non, je suis pas bon. Combien de kills? Bah, je sais pas, genre sur une game de Warzone. Ouais. Bah, j'ai fait 21, tout ça, tu vois. Mais c'est rien, mais non, mais dans le sens où. Déjà, je fais 7 et je suis heureux. Mais oui, non, mais je fais 7, je fais le tour de la chambre, je fais wouah! Moi, je te dis, c'est que j'ai des attentes envers moi-même qui font que, tu vois, si je tue quelqu'un, déjà, je vais dire, bah lui, il était claqué. D'accord. Donc, c'est normal que je le tue. Et même, j'ai des attentes qui font que, je vais vouloir faire mieux que ce que je fais parce que j'ai pas le choix en fait. D'accord. Enfin, j'ai le choix, mais. Je suis compétitif. Il y a Sam Kaman sur le chat qui dit, il y a plein plus fort, mais tu mens. Non mais il est fort, c'est sûr. Ils disent que t'es bon, en gros, oui, mais que voit. Oui, tu fais un excès de modestie. Non, c'est sûr. Non, mais on les reconnaît, les modestes. Ils pas souvent sur le chat ou quoi. Ils savent. Ils savent très bien ma manière de penser et je pourrais en débattre des heures, tu vois. Les vrais. Alors, on va dire que les vrais savent. Attention, Kinvé qui lâche la petite story, voilà. Non, je suis sur TikTok. Ah d'accord. Okay. Je fais ma story time de la journée en même temps parce que après je vais peut-être pas vous revoir, lui peut-être pas. Oui, c'est vrai. J'ai peur que de pas le mettre. Par contre, moi, j'oublie pas parce que j'ai pas de cerveau. Au moins, tu sais que tu seras dans dans la story, dans l'histoire de Kinvé. Sur cette journée, sur TikTok exactement. Bon les amis, franchement c'était un plaisir. Kinvé, merci beaucoup. On va enchaîner de toute façon, on va descendre pour aller faire Energy Radio Stream. Akitio, c'est quoi un petit peu les prochaines semaines là? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Il va jouer ma gueule, tu crois? J'ai 7000 heures à faire encore donc. Non mais c'est quoi un petit peu les projets? Qu'est-ce qui te ferait kiffer là dans les mois à venir? Faire un clip avec Kinvé. Déjà, ça c'est validé. Non, en vrai, j'ai pas plus de projets que ça. J'ai des trucs qui trottent dans la tête, mais il va me falloir du temps, tout ça, et il faut que j'arrête d'être un flemmard qui aime juste jouer aux jeux vidéo. Non, mais des trucs qui te trottent dans la tête, genre quoi? Bah, tu vois, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les comics. Ouais. Donc en France, je trouve que c'est pas super exploité non plus. Et tu penses qu'il y a un truc à faire dessus? Je pense que je peux prendre mon pied à faire quelque chose dessus. Okay. Pas forcément qu'il y a un truc à faire, mais je peux m'amuser à faire un truc dessus. Okay, l'important, c'est l'amusement. Exactement. Oui, c'est pour ça que je stream, sinon, j'arrête. Et en parlant de stream, est-ce que ça te dirait qu'un soir où je rentrerai chez moi, c'est-à-dire pas avant longtemps, mais quand j'aurai l'occasion de rentrer chez moi, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une partie de Call of? J'aimerais bien faire un Call of avec toi. Bon, moi, je joue obligatoirement avec mon collègue parce que je joue chez lui, parce que j'aime pas de réseau chez moi. Mais j'aimerais vraiment faire une partie avec toi pour qu'on puisse voir tes 21 kills. Pourquoi pas. Après, je me remettrai au niveau là. Parce que j'y joue plus moi au jeu. Parce que les cheaters, tout ça, tu dois connaître. Ah, c'est relou. M'ont dégoûté du jeu et m'ont fait que, dès qu'il y a trop de cheaters dans un jeu, j'arrête d'y jouer parce que je prends pas de fun, quoi. Mais c'est vrai que ça. Mais je reprends le jeu et Ils en ont éliminé beaucoup, hein, de cheaters. On en voit vraiment moins. Moi, les dernières fois que j'ai joué, il y en avait qu'un qui il a visé là, il m'a tué. Ils ont essayé dans pas te cacher, j'ai fait 3 games il y a pas longtemps, sur 3 games il y avait 2 games où il y avait des cheaters, bon. Je me suis dit allez. C'est dommage. En fait, je comprends même pas le principe de jouer à un jeu en trichant. C'est-à-dire que moi je joue grave la gang, je suis grave la gang, mais alors gagner en trichant, ça veut dire que tu as gagné sans
Sans gloire, sans y a gloire, aucun sans mérite, rien, quoi. Ouais, sans rien. Mais sur Warzone, je comprends pas non plus. Il y a des jeux où je comprends en soi, parce que tu vois, FIFA Ultimate par exemple, je comprendrais parce que tu gagnes même de l'argent. Ouais, en soi, ouais, mais même pas. Tu vois, genre des jeux où il y a des ranks. Genre c'est super connu, genre League of Legends, je sais pas si tu vois tout ça. C'est des jeux où en fait il y a des gens qui vont cheat pour booster des comptes en fait. D'accord. Tu vois. Encore League of Legends, c'est pas le meilleur jeu pour ça, mais Apex, c'est un jeu où il y a des mecs qui cheat pour augmenter le compte des autres en fait, tout simplement. Et il y a eux aussi, ils se font des sommes, c'est insane. Genre. Des couilles en or, hein, tu peux le dire, ça passe. Hein, en vrai, ils se mettent bien. Quoi. Ah mais là, ils trichent pour une raison. Que Call of, il y a pas de raison. Coach, je comprends pas vraiment. Genre. Bah là, c'est un jeu où tu dois prendre du plaisir à viser, à avoir une stratégie pour en équipe et tout ça. Ouais. Donc, il y a vraiment un sens sympa au jeu. Il y a un truc que je me dis, je sais pas, vous me direz, mais quand tu vas cheater sur un Call of, par exemple, quand tu vas tuer un mec, t'as quand même une sensation, tu vois. Et je sais pas si c'est cette sensation que les mecs veulent avoir. En cheatant. Ben oui, justement, en tuant un mec, ben t'as ce truc quand tu mets une balle dans la tête. Non, mais je pense que c'est juste ce sont des tarés. C'est-à-dire que ce sont des psychos. Genre, je pense que ce sont les mêmes gens qui peuvent attaquer les gens dans la rue au couteau. Donc, c'est un jeu à la base, c'est un jeu pour se détendre. Alors, c'est vrai que tu tues des gens, mais tu tues pas des gens réellement. C'est-à-dire que si le plaisir de le viser, de pouvoir, à risque de mourir aussi, n'est pas dans la partie, ça ne sert strictement à rien. On est d'accord, hein. Je sais bien qu'on est d'accord. Cheater, c'est vraiment le pire truc du monde. Et franchement, ces mecs-là ne méritent rien. C'est des sous-merdes. Ah ouais. Non, j'allais dire des chiens, mais je sais pas si ça passait. Tu vois, on est sur leur chaîne. Sur ma chaîne, je me permets de dire. Et encore les chiens, tu vois, j'ai plus de respect pour les chiens. Ouais, moi aussi, j'ai plus de respect pour les chiens. Voilà, on est d'accord. J'ai carré, c'est moi les chiens. Les cheaters, il n'y a pas de danger. Non, pour le coup, ouais. En tout cas, les amis. On va lancer le petit concours sur le chat. Vous avez un mot à taper pour remporter un casque Omen. C'est Omen. Voilà, tout simplement. Vous tapez Omen sur le chat, vous balancez. Il est juste devant toi, le mot. Pour le coup. Omen. On s'est pas foulé. Ils font des beaux PC, hein. Ouais, ça va. Franchement, ça tourne bien. Le jeu a bien tourné, là, justement, sur l'épisode. Ouais. Ah ouais, par contre, c'était fluide. Pas de problème de latence. Non, c'est très fluide. J'ai exactement le même PC. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai le même PC. Ah, donc moi, j'ai déjà joué. Ouais. Ok, bah, c'est que ça doit être bon, alors. Bah oui, c'est que c'est. Pour qu'un streamer réputé joue avec, à un moment. Mais putain, non, je suis juste un streamer tout court, genre. Tout ce qui est réputé, tout ça. Mais c'est bon, t'as 300K abonnés à. Mais ça, c'est pas Fortnite, ça ne compte pas. Enfin, les followers ne veulent rien dire. Tu fais combien par jour quand tu joues? Je sais pas, ça dépend du jeu, ça dépend de plein de choses, tu vois. En gros. Je sais pas, en gros. Des 300, 400, ouais, je pense. Donc t'es un bon streamer? Bah non, je suis juste un streamer normal, tu vois. Enfin, en fait, y a pas de bon, je sais bien mauvais qu'il y a streamer. Pas, mais non, mais quand je dis un bon streamer, un bon streamer en quantité. Même moi, c'est non. Ah, mais je suis très bizarre sur timide. Ça, tu vois. Ah, il est tellement gentil. Le mec, il veut 6000 streamers. Ouais, mais c'est non, ça. Mais non, c'est même pas ça, tu vois. C'est genre on peut être 20, je m'en balèque. Moi, le plus gros avec qui j'ai joué en termes de quantité de viewers, c'était Chouachin. Qui ça? Chouachin. Ah, ok, désolé, je le connais pas. C'est le streamer Warzone. C'est un des plus gros, ça. Ah, va. Si, je vois. Ça va très bien. En fait, c'est comment c'était écrit, et maintenant je vois. C'est par rapport à son pseudo. Ouais, je vois. Ah non, okay. c'est une machine, et puis pour avoir joué avec le mec, il a le temps de te réanimer, te dit personne. Oui, bah à la oui, fin de la game, il a 37, t'es tranquille. Ouais. Très, très gentil en plus. Mais attends, toute la team, tu sais, toi, t'as la team Gotaga, eux, c'est les Plouks, tu sais, avec Skyros, Mabzoel et tout. Ah oui, bah oui. Qu'est-ce qu'ils sont. Moi, je m'amuse tout le temps avec. C'est vraiment des bons gars, des amis. Mais toi, tu devrais vraiment revenir un petit peu plus sur Twitch. Je pense que. Mais le problème, c'est que j'ai pas de réseau chez moi. Ouais, mais. Comment tu peux ne pas avoir de réseau chez toi? J'habite en forêt. Voilà. C'est-à-dire que j'ai même pas de réseau téléphonique. Mais en vrai, c'est la paix, frère. Mais vraiment. Ah mais vraiment, c'est pas des conneries. J'habite en haut d'une falaise, dans une forêt. C'est-à-dire que là, pour avoir de la Wi-Fi, je demande à mon beau-fils de faire de la pédale. Ok. D'accord. C'est que pour faire des TikTok, je fais des TikTok, je sors de chez moi et je les fais. Ok. Il a balancé sa norme. Le petit qui pédale. Ah, c'est terrible. Et c'est une histoire vraie, ça, on est d'accord? Bah non, il n'y a pas de vélo chez moi. Mais c'est vrai que j'ai pas de réseau. Tout le monde le sait, c'est pas un secret. D'accord, okay. Bon. Écoutez les amis, c'est la fin de cette énergie expérience. On aimerait que ça dure un petit peu plus longtemps, bien entendu. Mais voilà, on a une petite heure. Merci à Omen, bien sûr, de nous permettre de faire cette émission. Merci à Kikyo, c'était un plaisir vraiment de t'avoir. On a passé un super moment. Et évidemment, ici, chez Énergie, comme je le dis à chaque fois, t'es à la maison. Donc tu reviens nous voir quand tu veux. Et arrête de me dire que tu sais pas ce que tu fous là. Arrête, s'il te plaît. Ouais, mais j'ai pas le choix. Je trouve son humilité déjà sincère. Et en plus, ça le rend mignon. Tu sais, c'est vrai. Ça rend le gars plus sympa que déjà qu'il a l'air de base. Et il adore qu'on lui fasse des compliments en plus, donc non, mais je sais pas. Il est ultra gêné. Et merci Kinvey, merci beaucoup pour cette émission. Avec plaisir, on continue avec toi, bien sûr. Yes. On se retrouve pour Énergie Radio Stream. On déconnecte le Twitch et on le relance en passant au studio du 6. Merci à tous. All merci right. de nous avoir suivis. C'était Énergie Radio Stream Experience avec Omen.